Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous allons repartir, nous allons d'abord, maintenant que nous avons récupéré le FAS, après je répondrai absolument à Rodrigue. Je sais pas si je peux de là, si. Hop, voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Livraison de données au même système. Eh ben écoutez, on va commencer par ça. Ah bah non, attendez, on a déjà une bonne réputation à Aditi, dis donc, eh. Je viens de remarquer ça. Je vous cache des choses. Eh ben écoutez, on va en profiter à fond. On va se faire un maximum d'argent. Voilà, nous avons cet endroit-là à aller. Apparemment, il faut de la soute à Aditi, hein. Missions disponibles, ah bah elles sont disponibles aussi. Sinuef, ok, bah écoutez, j'ai plein de missions à Sinuef. Ah merde, je fais refuser à chaque fois comme un con. Elle accepte moi les missions. Je fais refuser, accepter, voilà. Voilà. J'ai moult missions. Donc on va toutes les prendre. Un demi-million, allez, je vous le donne. C'est pour augmenter la réputation. Donc, chers amis, nous sommes à Aditi. Donc, nous allons essayer d'augmenter la réputation un maximum pour ce qui est de l'Empire, hein, normalement, si je me trompe pas. Oui, c'est l'Empire en termes de comment de petits logos, vous voyez, à côté du nom. Bah, de toute façon, Aditi Empire League, je peux pas vous le faire autrement. Impérial, cartographie. Donc, c'est bel et bien l'Empire. Nous sommes sur quoi comme mission, année de la surface de... Oui. Bah, pour l'instant, on sera dans le système, mais j'ai... pas forcément envie de faire cette mission là pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter à récupérer, vous savez, toutes les... Oh, est-ce qu'on va voir, on va aller voir, chers amis, avant d'être violent. On va aller voir si dans d'autres systèmes, nous avons... je vous conseille de modifier tes lasers pour augmenter leur cadence de tir, c'est très efficace. J'irai voir ça. Hop, j'irai voir ça. Crac. Groupe privé, bah tiens, justement, vu qu'on a Rodrigue, on va aller prendre le groupe privé de Rodrigue. Je note ça, apparemment, cadence de tir efficace, je noterai ça comme ça ensuite dans le Commander's Log. Cadence tir laser, d'accord, plus efficace. Ok, comme ça je pourrais noter ça dans le Commander's Log. Si c'est une information, chers amis, hein, c'est comme ça que je vais essayer de gérer le Commander's Log. Vous me direz si c'est véritablement efficace ou pas. J'ai confiance en Rodrigue. Rodrigue et Heisenberg m'ont donné beaucoup d'informations sur le jeu jusque-là. Donc je pense que c'est une information qui est extrêmement sûre. Je suis même persuadé que c'est sûr. Hein. Donc voilà, bah écoutez, si ça peut vous aider aussi, chers amis, tant mieux. C'est noté. Et partagé. Voilà, on va aller voir donc ici s'il y a effectivement ou non d'autres missions de ce même type. Et on peut voir qu'il y en a effectivement. 125 000, vas-y prends, à la vache. Ouais, il demande 1 million, c'est peut-être un petit peu trop en demander. Par contre ici il y a un truc vachement intéressant, j'aurais peut-être dû la prendre, je vais retourner la prendre dans ma partie. Faites un don. Ah putain, je les ai pas en amis ceux-là pour le moment. Donc je vais le faire, les dons. Là, ça a dû changer, j'imagine. Voyons voir. Grâce à vos services des waves, vous êtes désormais en partie des alliés, d'accord, tip-off. Ils ont percuté la surface de la planète à vitesse, mais l'histoire a l'air trop bien ficelée, d'où cette enquête visant à déterminer s'il ne s'agirait pas d'une fraude à l'assurance. Pouvez-vous inspecter le site pour nous, commandant? Pour rejoindre Athéna, commencez par rejoindre Athéna une fois sur place. Vous poserez sur Athéna A2. Voici les. Oh, c'est génial! Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça c'est un sujet véritablement qui m'a véritablement fait chier. Donc on est allié avec eux, c'est parfait. Eux, on n'a pas de mission. Nous sommes à combien de missions?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut peut-être encore en faire une. Ah non, 10, pardon. J'ai une prime de Nightis. Donc on va voir les contacts rapidement. Faites pas du tout les contacts, d'accord. Ok, on va aller voir en cartographie aussi, chers amis, parce que comme je me suis baladé avec le... Voilà. Je me suis baladé avec le l'ASP, vous avez pu suivre ce voyage. Ok, et on va aller voir chez Heisenberg, histoire de faire le duo, hein, le duo qui m'aide énormément, donc merci à eux. Hein. Merci énormément à eux, de toute façon je pense que quand le... Là je suis en train de travailler avec Eleven, donc un modérateur de Robocraft, sur un Discord. Qu'il a fait pour moi et qu'il a pu gérer, parce que finalement moi j'étais pas, je me rends compte maintenant que je suis loin d'être aussi doué que lui dans ce domaine. Et du coup je pense qu'il est possible que je mette Heisenberg et ou Rodrigue, si les deux sont d'accord, si les deux en ont envie, en tant que modérateur pour toute la partie Elite Dangerous du Discord. On verra véritablement le moment venu, mais je pense que c'est comme ça qu'on va gérer l'histoire. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit de choper quelques missions supplémentaires? Je l'espère. Je l'espère. Je sais pas si... Alors, tout comme moi, tout comme toi, je le trouve un peu trop véloce. Ici, plus rien à voir. Ah, cool. Ah. 100, j'y jette un œil. Ok, apparemment, bon bah... Tant mieux, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission dans le coin? Faites que ce soit pas les mêmes. Ça devait être les mêmes. Alors là, on a encore une mission de ce genre. Ça fait toujours de l'argent en plus, hein. 200 000 à la cause, je pourrais, hein. Ok. On va dire qu'on est bon, chers amis, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de me balader dans les menus. Nous sommes donc, pour l'Empire, à 75% amical, 19% écuyer. Donc je vais noter ça aussi quand même, qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on va faire avec ces quelques missions. Mon crayon papier, il est là, hop. 75-19, c'est ça, hein, c'est ça. Ok, on est parti, chers amis. On est parti, quitter. De plus en plus que si tu investis pour un vaisseau, il te suffit plus d'avoir... de bons modules. Oui, oui, l'objectif était bien de passer par les ingénieurs. Farming de compo plus chance. À l'obtention de l'amélioration égale plus de temps de jeu. Hop. Voilà. C'était la recette qu'ils ont choisi d'utiliser. C'est vrai qu'au bout d'un moment, le jeu devenait extrêmement redondant. On emmagasinait les sous sans avoir de choses véritablement à faire, de but à obtenir. Là, en fait, le fait d'emmagasiner des compos et aller les dépenser chez un jeune ingénieur prend du temps de jeu et surtout fait perdurer un objectif à l'intérieur du jeu. Ok, pourquoi je suis aussi lent? Je sais bien que j'ai le train d'atterrissage. Hein. Hop. Si je suis bon. Wow! C'est quoi comme vaisseau? Un SP Scout. Ok, on est bon. Crac. Oh, fais pas le con. Fais pas le con. Donc, chers amis, transaction. Transport donné, ouvrir la carte. Dolgov Point. On va pouvoir aller voir directement dans la carte, je pense, du système. Et voir véritablement quels sont les. Ah bah, de toute façon, c'est tout là. Non, c'est là où je suis. Mais, ah, et oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc là, débile. Pourquoi tu me la montres pas? J'ai encore des filtres d'affichés? Ah non, elle est affichée maintenant, c'est bon. Ok.
vue du système, voilà, on va aller voir directement là, hein, ça va être plus rapide. Et vous voyez qu'on va devoir aller, donc j'imagine, je vérifie tout, voilà. Donc j'imagine que c'est ici que se situe une des missions et ici que se situe l'autre. Napier, ah c'est rigolo parce que je regarde actuellement Downton Abbey et finalement il y a un monsieur Napier dedans. Dolgoff Point, ok, cool. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la première qui vient, hein, littéralement, on va pas s'embêter. Même, on va aller prendre directement ici, voilà. Crac! Oui, mais déjà, passe une fois, tu verras que tu auras de bonnes perfs, que ça soit n'importe quel vaisseau. Oui, c'est vrai, il a entièrement raison. Ok, et on y va. Hop. Ne laissons pas le temps nous prendre de court, littéralement. Hop. C'est vrai que j'entends beaucoup de joueurs me dire, ah bah non, moi je suis très très bien avec mon impérial. Mon impérial Eagle, c'est un vrai chasseur, il a les capacités d'un chasseur. J'aime jouer avec. Eh bah écoute, oui, je suis content pour toi. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un gros 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 vaisseau. Effectivement, moi je trouve ça, je prends ça pour un objectif. Dans le sens où j'aurai atteint le endgame finalement. Donc ce sera avec l'Anaconda, le Federal Corvette, le Beluga Liner, tout ça. C'est les vaisseaux pour l'instant qui sont au plus haut, donc c'est un objectif en soi, si vous voyez ce que je veux dire. Cela dit, ce n'est pas pour moi l'objectif du jeu, si je puis dire. L'objectif, c'est vraiment... Enfin, non, je sais même pas s'il y a véritablement des objectifs. Livraison de données. D'accord. Ok. Localiser les sites intéressants, tel ça que le panneau est donné. D'accord. 3 minutes, c'est pas la peine. Tiens, je sais pas ce que c'est. J'en suis à combien là? Wow! 93%. C'est bon, j'en échappe. J'en réchappe. Ok, c'est parti. Allons-y. Oh, le bruit. Le bruit de ce vaisseau. Génial, absolument génial. Ok, on y va. Des fois, j'ai presque envie de jouer à ce jeu sans la musique, chers amis. Hein. Juste pour profiter à fond des bruits du moteur, tout ça. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous intéresserait? Je ne sais pas. Est-ce que ça créerait pas un petit peu de vide? À vous de me le dire hein, dans les coms, hein, n'hésitez pas. Je serais ravi d'avoir votre avis, comme d'habitude. Hein. Votre avis compte sur cette chaîne, en tout cas. Pas forcément sur toutes les chaînes YouTube, mais votre avis compte dans celle-ci. Enfin, sur celle-ci. Je dis dans parce que pour moi, vous êtes partie de la communauté, donc dans cette communauté, pardon. Ok, tu t'arrêtes de vibrer, micro? Ok, on est bon, on est dans l'axe, on est à la bonne vitesse. La planète semble assez petite, cela dit, ce qui est assez étonnant, hein, mais plutôt rassurant, parce que si on doit parcourir une certaine distance... une certaine distance... Est-ce qu'on est dans le bon? Ah, on va arriver pile sur la bonne. Ah, c'est cool. On va être pile sur la bonne, le bon axe. Oula. On se calme. What? What, 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 what? J'ai toujours des missions ici, on est d'accord, hein? Oui. Ok, on y va. Merci. Hop. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. Hop. Ouais, donc... Hop. Je suis au courant.
Ça c'est vraiment sympa d'avoir des dialogues comme ça avec vous, chers amis in-game. Hop. Alors, en douceur. En douceur. Là, on va être en glissade, en descente, je crois qu'ils appellent la descente. Hein. En VF. Ça m'inquiète tout ça. Peut-être les 3 minutes, cela dit. Oui, c'est pas ça qui importe pour moi. Ok. Ok, on va aller voir directement. Hop, en douceur, chers amis, pas besoin d'aller trop vite. Hop. Parfait. Parfait, parfait. La 03, elle est à gauche, donc la 06 doit être celle-là. Et apparemment, nous n'aurons pas le bon angle. Hop. Excusez-moi, madame. Je vais réduire ma vitesse, il suffit juste de me laisser un tout petit peu de temps. Faire mon demi-tour. Train d'atterrissage. Hop. Hop. Je commence à maîtriser le palonnier. Je veux pas dire, mais. Hop. Pourquoi il m'indique que je suis dans aucune des... Voilà, merci. Hop, voilà, on a atterri en douceur. Parfait. Service de spatioport, chers amis, on va rendre toutes ces missions. Hop, on va faire le plein de joie par principe. Hein. Bonjour madame, la complice Jazelle Palmer. D'accord, c'est la mafia d'Atiti Jet. D'accord, pourquoi pas. Je travaille pour la mafia, voilà autre chose. Ça m'étonne pas de moi, hein. Hop. Donc. Ça, c'est bon. Ok. Ah bah non, ça coûte cher, tout ça. Je vais les prendre. Non, non, je les prends, hein. Là, y a pas de souci, hein. Hop, je rends celle-ci. Crac. Voilà. Ce qui me fait toujours plus de crédit, hein. Hop. Et donc, déjà, en rendant ces quêtes-ci, nous sommes montés à 25%, ce qui n'est pas rien. Et 76% amical. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est un bon début, on est monté d'un petit peu du niveau du rang d'écuyer. SMJL central, ça m'intéresse. SMJL central, ça m'intéresse toujours. Et vous n'avez rien d'autre à nous proposer. Ok. Nous allons aller à la deuxième... on va partir directement dans la carte du système. Hop. À la deuxième zone, chers amis. Apparemment, j'ai d'autres missions à rendre ici. Ah bon ? Ah bon, ah bon. Voilà qui m'intrigue. Alors, par contre, ça, je sais pas pourquoi c'est redescendu. Bon, c'est redescendu, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Localiser le site. D'accord. D'accord, donc j'imagine que ça va avec... voyons voir.
D'accord. Astre de la cible RTR C20-7-2. Ok. Et donc? D'accord. Ok, c'est très étrange. En fait, je crois qu'il va falloir que j'analyse cette planète. On va aller voir, hein, mais... Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ou alors je vais là? Je ne sais pas. On va aller voir, hein, on va le faire. Je sais pas du tout où on est dans l'épisode, on a 20 minutes. Tant pis si ces épisodes durent un peu plus longtemps, chers amis, je viens de comprendre comment ça se passe. Ou alors c'est bon là. Je vérifie. Non. Allons-y. Hop. On verra ça une autre fois. Ah, par contre, c'était complètement à l'opposé, hein. Vecteur d'évitement, il est ici. Crac, on y va. On va rester quelques secondes sur le vecteur d'évitement. C'est ça qui m'inquiète en fait. Et le fait qu'il y ait beaucoup de mises à jour. Ok. Et que ça ne m'affiche rien. Bizarre, bizarre. Donc là c'est juste un temps. Là c'est juste un temps. Là c'est juste un temps. C'est bien celle-là pourtant sur laquelle je suis. Bon c'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Mise à jour. D'accord, apporter les données. Apporter les données. Donc rien de bien nouveau finalement. Qu'est-ce que je fais mal? Si je puis dire. Exactement ce que je voulais éviter. Voilà. On va essayer de faire plus ou moins le tour de la planète. On va aller là-dedans. Je suis en train de me demander si je dois... Je trouve que j'ai fait de la merde dès le départ en fait, chers amis. Parce que je n'ai pas dans ce vaisseau de module terrestre. Soyons d'accord, j'en ai pas. Donc il est possible que je fasse des choses que je ne sois pas à même de faire. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais me rendre... On va repartir. Hop. Je vais me rendre sur l'autre. On va regarder sur la carte déjà. Je vais me rendre ici. J'aimerais voir la map. Non, j'aimerais voir la map. Non, non, j'aimerais supprimer ce favori. Je me suis planté de bouton. Voilà, merci. Supprimer. J'aimerais voir la map. C'est quoi Dolgoff Point? Qu'est-ce que c'est exactement? D'accord, c'est une ville. Donc on va aller à Dolgoff Point. On va aller rendre les quêtes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester à Dolgoff Point, je vais regarder les missions que j'ai à faire, et on verra une fois notre retour fait d'Aditi, tout simplement. On va essayer de jongler entre ces deux systèmes sur Aditi, et voir si oui ou non, il y a moyen d'augmenter les deux systèmes, et enfin d'augmenter via ces deux systèmes plutôt, et notre réputation, et l'argent qu'on va récupérer. Mais pour cela, je viens d'être sûr d'avoir... à mon avis, il va peut-être falloir que je repasse sur le Python. S'il faut que je fasse venir le Python, ça va me coûter encore la peau du cul. Je crois que ça va me coûter 2 millions. Hein. Et le problème, c'est que là, les millions, ils tombent. Et malheureusement, c'est pas... C'est difficile à remonter.
Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Hop, je suis bon en termes de vitesse. Bon, on est bien monté au niveau du rang d'écuyer, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais me re-renseigner en termes des rangs des différents vaisseaux impériaux. Et je vous redirai tout ça très très rapidement en termes des vaisseaux que nous aurons. Oh putain! Marcus, on va remettre les mains, les pieds sur le palonnier. Tu sors les armes. T'es quoi, toi? Diamond Scout? Ça tombe bien, j'ai besoin de m'amuser. Hop. Ok. Il a un ray gun. C'est pour ça que j'ai préféré. Hop. Voilà. Problème résolu. Hop. Ok, on y retourne. Il me semble que c'était ce bouton-ci. Ok, parfait. On est bon. J'allume la lumière au passage. Voilà. Crac, et on repart. On ne perd pas de temps, chers amis. On s'est fait agresser. On s'est vengé et c'était parfait. Ça fait un petit peu d'action dans l'épisode. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Dolgoff Point. Hop, on est reparti. Tu vas crever la gueule ouverte, qui m'a osé me dire quand même, hein, je veux pas dire. Par contre, il serait vraiment temps que vous régliez les problèmes de chat. Hein, là, les ENBSP, ouais. Enfin voilà quoi, point virgule. C'est pas normal dans un jeu qui a autant d'argent. Hein. C'est à résoudre le plus rapidement possible. Mais bon, en même temps, quand vous me donnez 3 minutes pour faire quelques. Je sais même pas si j'ai 3 minutes pour me garer dans ce truc. Enfin bon, c'est pas grave. Oui, je veux bien repartir du. Oui, voilà, merci. Ok, on est bon. On a dû passer juste un petit peu trop près d'un autre astre. Parce que vous voyez, on réaccélère alors qu'on s'approche normalement du truc. Donc voilà. Oui, je sais, mes cheveux me tombent dans la face, c'est violent. Et compte tenu des coupes que j'aurai envie de faire par la suite, ça pourrait être encore pire. Puis il faudrait que je les aie peut-être encore un peu plus long et du coup ça va être compliqué. Bon, enfin bon, vous verrez ça du coup en live cam, chers amis. Hein. Ça sera rigolo. Ce sera rigolo. Alors, Dolgoff Point, je te vois pas. Bon, en termes d'angle, on est bon. En termes de vitesse, on est vraiment bon. On n'a pas de raison de se plaindre. La planète est très très claire, ça change. Ah, ça y est, je commence à voir Dolgoff Point. Normalement, ça va être infiniment plus petit. Hein. Il n'y a pas grand chose dans le coin. C'est pas plus mal. Je m'en doutais un petit peu. On est peut-être un petit peu loin pour la descente. C'est pas grave. On y va. Heureusement, la descente est assez rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Mais écoutez-moi cette ambiance sonore. C'est génial. Hop. Hop. On approche. Ah, c'est plus gros que ce que j'imaginais. Bon, on est un peu plus loin que prévu. C'est casse-couille. Hop.
Hop, allons-y. 06, Roger. Le 6, ça va être lequel? Tu m'étonnes qu'on était un petit peu lent, effectivement. Le 6. Là, j'ai l'air d'avoir le 4 ici, là. Je ne vois pas le 6. Si c'est celui-là là-bas, je crois. Non, ça c'est le 8. Et merde! Ok. J'aimerais vraiment que sur les grosses machines, ils augmentent la taille de... Enfin, la distance d'affichage des petits objets. Là, vous voyez, ça fait très très plat et j'aime pas ça. Hop. Ok. Et n'empêche que je gère, hein. Je commence à gérer, chers amis. Hein. Hop. Oh, quel dommage. Hop. C'était pas prévu que ça tombe comme ça directement dessus, mais bon, c'est comme ça. Ok, on va aller rendre ces missions, chers amis, et on va se laisser là pour cet épisode. Hop. Ravitaillement, apparemment j'ai besoin de maintenance. Sûrement le choc à la fin. Tableau de mission, on a un marché, si ça peut être intéressant. Voir si on peut pas gagner, ne serait-ce que quelques... Bah non, on n'a pas d'espace de sous-cache. C'est vrai, j'avais oublié. Ok. Ok, parfait. Livraison de données économiques. Qu'est-ce que j'ai pas avec la capacité de cargaison, d'accord. Ok. Pourquoi pas. D'accord, on a tout rendu. C'est bon, nous sommes donc remontés à 28%, ce qui fait que nous avons gagné pratiquement 10% de rang sur ces missions, ce qui est une très bonne chose. Nous avons sans doute encore quelques missions à rendre. Vous voyez? Il y a apparemment de l'analyse de surface. Localiser le panneau de données. Faudra que je me renseigne là-dessus, exactement. Pour l'instant, je vais les abandonner. Pas celle-ci. Je vais les abandonner parce que je crois qu'il faut que j'ai le... Vous savez, la... La comment... La... Le scorpion, le SRV dans le vaisseau. Malheureusement, j'en ai pas dans celui-ci. Oui, bonjour. Ah, ça, c'est pour me dire que j'ai perdu la réputation. Vous n'êtes plus aujourd'hui qu'un ami à nos yeux. C'est débile. Enfin bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas important. Pour le moment. Ok. Donc, je vais me renseigner, chers amis, un peu plus clairement. Je regarde si j'en ai pas une d'ailleurs ici. Voilà. Cette mission pourrait nécessiter l'utilisation d'un VRS. Vous avez besoin d'une baie des véhicules pour pouvoir transporter des VRS. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire ça avec ce vaisseau-là, en tout cas. D'accord. Ok, pas de soucis. Bon bah au moins maintenant on est au courant, chers amis. Au moins maintenant nous sommes au courant. Récompense de cargaison. Donc voilà peut-être pourquoi je peux pas actuellement prendre tout ça. Je n'ai pas du tout de cargaison sur moi, hein, comme vous pouvez le voir. 0 unité sur 0. Ok, donc c'est peut-être pas le vaisseau le plus adéquat en termes de rendement ici. Aussi vais-je peut-être le changer quand je serai retourné à SMJL Central. Donc les amis, écoutez, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci en tout cas de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.